multiplie pas le pain. Ben, pas encore. Mais il a réussi à multiplier les magiciens. Voici Luc Langevin et son complice Stéphane Beaugoin. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Très bien. Oui, très, très bien. Juste avant qu'on entre dans le vif du jeu avec Stéphane, Jacques de Radio-Radio est venu sur le plateau et j'ai appris que vous êtes des amis et peut-être même des collègues. Ben oui, un peu. Ben on se voit. En fait, Jacques a commencé la magie il y a quelques années. Puis en fait, il ne fait que des tours de cartes. Ouais. Il y a plus de jeux de cartes que moi chez lui. Il est un peu freak, en fait. Mais... Est-ce que c'est un bon magicien? Oui, oui, oui. Il fait des choses très, très, très avancées. C'est quand même un hobby pour lui. Il fait pas ça. Je pense pas qu'il fait des spectacles, non, ça, mais il est très avancé. Il a vraiment l'air d'aimer ça, la façon dont il en parlait. Ben oui. Il a vraiment l'air d'aimer ça. C'est quoi un bon? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon magicien? Ça prend beaucoup de choses. Oh, Stéphane, réfléchis, là. C'est vrai que ça prend énormément de choses. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça prend de l'ingéniosité, ça prend du charisme sur scène, ça prend de la dextérité, ça prend une empathie, être capable de se mettre dans la peau des gens pour savoir qu'est-ce qui va les impressionner. Ça prend du showmanship. Sûrement de la persévérance aussi. Oui, beaucoup, oui, parce qu'avant de gagner sa vie avec ça, ça prend la passion. Je dirais que ça prend aussi beaucoup de... Faut être capable de pratiquer puis de ne pas avoir peur de mettre beaucoup de temps là-dedans aussi, c'est l'autre chose. Ouais, tout à fait. Ouais. Certaines disciplines, pardon. Oui. Présente-nous, Stéphane. Oui, bien, Stéphane Beaugoin est un génie de la magie méconnu, je pense, au Québec. Il fait ça depuis avant même que je sois né. Puis. ça fait bien. Excuse-moi, non, mais. Non, monsieur, puis, moi, je connaissais Stéphane de réputation avant de faire de la télé, mais je l'ai contacté plus sérieusement lorsque je travaillais sur mon spectacle en salle, parce que je voulais commencer à faire de la grande illusion, donc des tours, pas juste avec des petits objets. Puis Stéphane connaît toute la magie, mais notamment la grande illusion, ce qui est plus rare. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Stéphane. Puis ça a tout de suite cliqué. Je l'ai impliqué dans tous mes projets. Puis on a commencé à collaborer comme ça. C'est comme ton indispensable. Oui, c'est une encyclopédie de la magie. Il a une mémoire phénoménale. Il y a 4000 livres de magie chez lui. Il a tout lu, puis il sait tout ce qu'il y a dedans. Il fallait être magicien pour savoir qu'il existe. Stéphane est très connu dans le milieu de la magie. Ouais. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu fais ça? Est-ce que tu vends des trucs? Est-ce que tu fais d'autres productions? Oui, entre autres, j'ai des numéros de magie qui sont sur le marché, qui sont vendus à travers plein de pays. J'écris des livres pour les magiciens. J'invente des numéros spécialement pour des magiciens aussi. Des fois, c'est des commandes spéciales. Des fois, c'est plein de choses comme ça. Je double des mains de comédiens dans des films. Des fois c'est pour des numéros particuliers ou même des effets spéciaux pour le cinéma. Ça arrive parfois que ça coûte moins cher de faire ça en vrai, en utilisant des principes de magie, que de faire ça, par exemple. Des films qu'on connaîtrait, qu'on aurait vus? Certains films. J'ai fait quelques films américains. Ici, au Québec, j'ai fait un seul film québécois. J'avais travaillé sur le film Pudding Chômeur, le dernier film de Jules Carr. Ah, c'est vrai? Oui, c'était le seul film québécois. OK, c'est parce que t'as l'air d'avoir 32 ans. Excuse-moi, Ah oui, mais merci. Oh, mon Dieu. C'est la magie! C'est de la magie! De la racheter, je vais te faire jouer en boucle, ça, c'est pas... Donc, Stéphane fait partie de votre trio pour la nouvelle émission qui s'appelle « Défier la magie ». Il y a Mathieu Biche, qui est un Français qui est retourné en France. Oui, il habite en France. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle émission qui commence demain à RTV? Bien, c'est une émission où on reçoit des défis lancés par des artistes invités. Donc, ce sont des gens qui nous mettent au défi, qui nous disent « Je vous mets au défi de nous faire un tour de magie sous l'eau » ou « De faire un tour de magie à mon chien » ou « Je connais telle personne qui est non-voyante, pouvez-vous lui faire un tour de magie? » Donc, ils nous mettent dans des situations vraiment difficiles comme ça. Et nous, les trois magiciens, on nous voit recevoir le défi, on nous voit concevoir, on voit pas les secrets des tours. On voit comment on s'y prend, comment on va s'aligner. Puis ensuite, on nous voit relever le défi. On relève deux défis par émission, c'est des demi-heures. Et vous faites tous les numéros à trois? Pas tous. On en fait plusieurs à trois. OK. La majorité, on les fait seuls. Certains, on en fait à deux aussi. Okay. Ça dépend du défi, en fait. Et qu'est-ce qu'on va voir? Là, c'est un extrait de l'émission de demain avec André Sauvé. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est le premier tour qu'on a fait, le tout premier tour qu'on a tourné de la série. André Sauvé nous a mis au défi de faire un tour de magie à trois, justement. Il voulait sentir notre complicité, qu'on soit les trois. Il voulait qu'il y ait six mains, là, puis que la magie se produise. Donc, on lui a proposé le plus vieux tour de magie du monde, mais fait à trois magiciens. Alors, on regarde ça. André, je vais faire disparaître ma boulette. Tu peux choisir de la faire réapparaître sous le gobelet de Luc à ma droite ou sous le gobelet de Stéphane à ma gauche. Ouais. Où veux-tu la faire réapparaître? C'est moi qui choisis? Oui. Eh bien, tiens, le gobelet de Luc. C'est fait. J'ai quand même peur. Mais ceci dit, André, tu aurais pu tout aussi bien choisir le gobelet de Stéphane.
Absolument. Ou même, peut-être aurais-tu décidé de prendre tout simplement d'envoyer la balle déjà sous le gobelet de Mathieu et qu'elle reste là depuis le début. C'est pas truqué au montage. Ça, c'est le bout de soft, là, le numéro monte en... Mais c'est pas truqué, je veux dire. C'est live. C'est en temps réel. C'est pas live, mais André Sauvé, il est là, puis il voit... Mais si le HD nuit à ma face, là, est-ce que ça nuit aussi autour de magie? Ça nuit à tout. On aime ça, le HD qu'on a. Stéphane, vous avez préparé un numéro pour Christiane et moi. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'étais vraiment hâte de donner mon 20 $. Ah oui, oui. Les gens ont hâte de me donner notre argent. Ben non. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai quelque chose à vous montrer juste avant. Je vais juste partir. 3, 2, 1. Oui, parce qu'en nous demandant de faire un numéro comme ça, Pénélope, là, c'est vraiment comme si tu nous lançais un défi. Oui, parce que c'est véritablement un défi pour nous deux de faire un tour de magie dans un lieu comme ici, entouré sur 360 degrés par le public, devant les caméras de la télévision nationale. C'est pas évident. Surtout que Luc et moi, on ne contrôle pas l'éclairage. On ne sait pas quelles sont les prises de vue que vous allez garder au montage. Ils nous manipulent, là. Ils nous manipulent. C'est pas ça. Comme si la manipulation. Comme si ce n'était pas assez. Mais comme c'était passé, en plus, le réalisateur nous a dit « Faites pas de tour de carte, tous les magiciens font ça, on a déjà vu ça. » Et il veut que le tour dure moins que 3 minutes parce que c'est de la télé et c'est pour que ça soit pas lâché. OK, bon, d'accord, pleine contrainte. 3 minutes pour un tour de magie, c'est vraiment court. Ben oui, juste là, ça fait 30 secondes qu'on parle, on n'a rien fait. Regarde comme il manipule! Non, ça fait qu'on va être expéditif. Alors, Christiane, je t'ai demandé un 20 $. T'as un 20 $? Je te demanderai de le déposer sur la table. Sur la table? Et Pénélope, j'aimerais que tu enlèves une des bagues que tu portes et que tu la poses sur la table également. Je vais juste montrer que je l'ai portée effectivement. Et que donc j'enlève cette bague et je la dépose sur la table. Et Christiane, j'aimerais que tu écrives ton prénom sur la face du billet en grande lettre. Ça fait sur la face de la reine? Oui, en grande lettre. Ça sera visible à l'écran. La reine. Ça va être un tatou. Et pendant ce temps-là, Pénélope, moi, je vais couvrir ta bague avec le foulard que j'ai juste ici. Attends qu'on voit bien. Oui, OK, est-ce qu'on le voit bien? Alors voilà, tu couvres la bague avec le foulard ici. Et Christiane? Je vais te demander de saisir la bague de Pénélope à travers le foulard. Juste prendre ton pouce et ton index de ta main gauche, cette main-là, juste ici. Je l'aime beaucoup, ma bague, Christiane. Non, non, je l'aime pas ça, là. Okay. C'est la bague de Pénélope, donc fais attention, t'es responsable s'il y a quoi que ce soit. Et là, ça s'enlève de mes doigts pendant que je le tiens. Là, ça, c'est de la magie. ça serait de la magie. C'est bien ta signature sur le billet? Absolument. OK, je vais plier ça comme ça ici, à répétition. Histoire de faire une espèce de carré de 20 $, un carré de polymère maintenant. Trombone. Et Pénélope, comme c'est Christiane qui tient ta bague, ce serait logique que ce soit toi qui aies son billet. Mais je te propose mieux, c'est plutôt Stéphane qui va tenir le billet. OK. Oui, parce que pendant que moi, je vais tenir le billet, je vais te faire tenir quelque chose d'autre. Je vais te faire tenir mon portefeuille à moi. Comme ça, nous distrairait. S'il arrive quelque chose... Il y aura tout le contenu que vous pourrez garder. Absolument. S'il y a quelque chose à la bague, ou au billet. Oh my. Place ça ici, place ton autre main par-dessus. Oh, yeah, yeah. Excellent. Bouge pas, Pénélope. Christiane, la main en face de toi. Non, mais là, je vais arrêter de regarder mon 20 $. Il va le mettre dans sa manche. Tu peux regarder le 20 $ ce que tu veux. Tu peux regarder ce que tu veux. Tu peux regarder ce que tu veux, je veux juste mettre ta main en face de toi comme ça. Mais quoi? Ça, là? Oui, oui, bouge pas. Oui. Bouge pas, Christiane. Focus. Abandonne-toi, Christiane, abandonne-toi. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah. Oh, ma bague! Je la tenais, Pénélope, je te jure que je la tenais. Vas-y, Luc. Ah! Oh, ben attention. On n'a pas le droit de faire ça. Ah! Plus de billets non plus. Plus de bagues, plus de billets. OK, non, Pénélope, attendez. Est-ce que tu peux lever ta main tranquillement? Oui. Mais tu veux disparaître? Oui, je parle plus, j'ai perdu connaissance. Tu vois qu'il y a un compartiment qui est fermé avec une fermeture éclair. Seigneur, est-ce que tu peux l'ouvrir? Et tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a une ange Jésus. Là, qui est scellée avec un sceau. Très important. Oh mon Dieu, c'est dans une enveloppe. Tu peux essayer de l'ouvrir, vérifier qu'elle est bien scellée. Ben oui. Tu peux déchirer. Tu peux déchirer, ça va aller plus vite. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On fait copier ta bague en cachette. Ah, il y a un billet? Oui. OK. Il n'y a pas de bague. C'est déjà ça. Enlève le trombone parce que c'est peut-être pas le même billet. Non, on l'a peut-être pas réussi. Et fais attention, Pénélope, parce qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur du billet. Aucun sens. Il y a une bague à l'intérieur. C'est ça qui se passe à l'intérieur. Hey! 2,57! Hey! C'est plus relevé. 2,57. Wow! Ça, c'était vachement impressionnant. Le truc du flambette, le vin, là, très fort, très, très fort, Stéphane. Si ça avait raté...
qu'est-ce qui se serait pas... Ça rate-tu des fois? Hey, on n'aurait pas réussi notre défi, ça veut dire. On n'aurait pas réussi. Je sais pas qu'est-ce que ça... Souvent, on se prépare toujours un plan B. On sait... ben, en fait, on n'a pas des... On a un plan B si la bague tombe, si elle n'a pas de 20 $. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est rare. Tout peut pas tout mal aller. Okay. Ça se peut pas. Quoi que la loi de Murphy... Ouais, sauf si tu joues dans 19-2. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est pas réel, c'est qui mon tour. Donc ça les gars, c'est formidable. Défier la magie va être présenté les vendredis 19h sur RTV. Et ça, c'est à compter de demain. Puis évidemment, la tournée qui se poursuit. Il y a déjà 135 000 personnes qui ont vu ton travail et le tien en coulisses, si je comprends bien. Ben oui. Et l'Europe l'an prochain, dans 3 semaines au Casino de Paris. Félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous revient tout de suite. Ah! Ça, c'était...